Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vidéo ouverture aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre. Aujourd'hui, on se rouvre plusieurs paquets. On va commencer par se rouvrir 4 paquets de CHL Hockey. Et le CHL Hockey, c'est le 2017-2018, donc c'est l'année recrue CHL dans la CHL de Alexis Lafrenière. Donc c'est dans cette série-là qu'on peut avoir sa Star Rookie ou sa Star Rookie autographe ou d'autres parallèles de Lafrenière. Donc, on s'en rouvre 4 aujourd'hui. Il y a 12 cartes par paquet. C'est des hobbies. Et on va se rouvrir également du Upper Deck Série 2 2020-2021. On va se rouvrir 12 paquets aujourd'hui. Donc, 12 packs de Upper Deck Série 2 hobbies. Également du hobby. Donc, on va espérer choper quelque chose de bon aujourd'hui dans notre ouverture. On commence avec le premier pack de CHL. Donc, je me souhaite bonne chance pour aujourd'hui. Plusieurs packs à rouvrir, 4 de CHL, 12 de Upper Deck Série 2 par la suite. Donc, on a Kelfoot ici. Donc, bon jeune défenseur. Cody Glass. Donc, il y a des noms, évidemment, qu'on connaît peut-être un peu plus que dans le CHL de cette année ou de l'année passée. Puisque c'est quand même 2017-2018. Donc, les jeunes, ils ont eu le temps, certains, de faire la Ligue nationale. Ensuite, on a Max Jones, Libor Hajek, Alexandre Alain. Ancien de l'Armada, mais également l'ancien du Rocket de Laval. James Pillen. Hudson Illinuk. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On a Arthur Kaliev, Star Rookie. Nice quand même. C'est vraiment cool quand même. Et on termine avec quelques bases. Donc, Arthur Kaliev. Donc, jeune espoir dans la NHL. Donc, qui vont faire probablement Cy Young Gun, je crois, c'est-tu cette année ou l'an prochain? Dans série 3, je crois, dans la série d'extension. Donc, Star Rookie Arthur Kaliev de CHL. Donc, d'après moi, on a un bon titre quand même ici. Quand même très cool. Une Star Rookie, c'est son année recrue, lui aussi, dans le 2017-2018 CHL. Isaac Radcliffe, Lucas Chioudou, Jake Bean, donc jeune défenseur des Hurricanes de la Caroline. Scott Walford, ancien choix de repêchage du Canadien de Montréal qui n'est plus dans l'organisation. Denisov, Carl Funstad également, ancien choix du Canadien, qui n'est plus non plus dans l'organisation. On a une Mason Primo, Star Rookie, suivi d'une Ryan McLeod, Promising Future, donc quand même cool. Nicolas Welsh, Connor DeWar, Anderson McDonald et Dayson Davidson. C'est ça? Ouais, Dayson Davidson. On va maintenant avec le troisième pack de CHL. Donc, 12 cartes, je rappelle, par paquet. C'est pour ceux qui en ont plusieurs. On y va avec Joseph Villeno. Je vais la mettre de côté. Des fois, c'est bon pour faire signer un jeune Québécois. Repêché par les Red Wings de Détroit. Thomas Grégoire. Brady Innes. Josh Brook, les Canadiens. On met ça de côté. Denis Cholowski. Nice. Denis Cholowski. Jeune joueur qui joue... Un autre jeune prospect des Red Wings de Détroit, donc Denis Cholowski, ici, dans sa recrue dans CHL, donc quand même cool. On termine avec des petites bases. Maintenant, on y va avec le dernier CHL avant de passer au Upper Deck de la NHL. Upper Deck Série 2 de 2020-2021, ensuite de Hobie, Zachary Lauzon, Garrett Pillen, Maxime Comtois, mettre ça de côté également. Colin Addison, Alex Barry-Boulet également de côté. On y va avec le prochain hit. Oh, nice! Oh, yes! Jarrett Anderson Dolan, autographe. Vraiment cool. Vraiment cool. On a un autographe sur 4 paquets. Je crois qu'il y en avait 2 par boîte dans le CHL 2017-2018. On rouvre 4 packs, puis on a un autographe. Wow, nice! Vraiment cool. Déjà un petit hit ici, aujourd'hui. Jarrett Anderson Dolan. Et c'est pas un mauvais nom, en plus. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Une belle petite autographe. Jarrett Anderson Dolan. Donc, c'est pas la Star Rookie, rien. C'était pas son année recrue. Il a connu toute une saison dans la CHL en 2016-17. 72 matchs joués, 39 buts, 37 passes, 76 points. Sa première saison dans la WHL. Donc, quand même très content. Une belle petite autographe, Jarrett Anderson Dolan, premier hit. On avait également eu Denis Cholowski ainsi que Arthur Kaliev, d'après moi, qui est un bon hit aussi. Maintenant, il va avec les Upper Deck Série 2. Donc, 12 packs à se rouvrir aujourd'hui d'Upper Deck Série 2 2020-2021 des Hobby Pack. Hobby Pack avec Tavares sur le paquet. Et pour Leaf, ça va pas très bien en série. Chaque saison, il s'effondre en première ronde.
Très content, moi, que le Canadien ait passé la première ronde. Maintenant, il va avec la première Young Gun déjà. Une première Young Gun. Qui est-ce? Voyons. Alexander Barabanov. Désolé pour la difficulté de dire le nom. Donc, c'est Barabanov. Des Maple Leafs de Toronto, qui n'est déjà plus, je crois, un membre des Maple Leafs, a été échangé à la date limite des transactions. Donc, déjà une première Young Gun à notre premier paquet de Upper Deck. Quand même très cool. Quand même très, très cool. Première Young Gun déjà, un pack, une Young Gun. Espérer choper des gros hits, des bons noms aujourd'hui chez les Young Guns ou des inserts, des belles cartes et tout. On a Brady Tkachuk ici. On y va avec une Leon Draisaitl Award Winners. Donc, insert de OPC, une petite insert de OPC. On termine avec les bases. On va être le prochain pack. Troisième paquet déjà de Upper Deck. Évidemment, plus facile à rouvrir puisqu'on a seulement 8 cartes par paquet et non 12. On va avec une Stuart Skinner Marquee Rookie. Marquee Rookie, Stuart Skinner. Wow, elle est vraiment pas belle derrière. Elle est vraiment pas belle derrière. Elle est comme plein de taches jaunes. Je sais pas s'il était... Donc, il était pas comme ça les autres, mais bon. La Draisaitl est-tu comme ça? Ah oui, comme ça. Je sais pas, ils doivent être faits comme ça. J'ai jamais regardé vraiment le derrière s'il était fait comme ça. Ensuite, on y va avec le prochain pack. Donc, toujours qu'une seule Young Gun est sortie qui était à notre premier pack. Et je crois qu'on en a un autre ici. Je crois qu'on a un autre Young Gun ici. Oui, on en a une. Et c'est Darren Radish. Donc, Darren Radish Young Gun. Young Gun ici, on va la mettre dans un sleeve et top load tout de suite. Les Young Guns, je les mets tout le temps tout de suite dans des top load, même si c'est pas des Young Guns nécessairement qui ont une grande valeur. Donc ici, des Rangers de New York. Donc, c'est ça. On a ça pour commencer. Ici, deux Young Guns déjà. J'espère échapper un autre bon hit. Sinon, ben, on a quand même eu l'autographe dans CHL qui fait vraiment plaisir. Arthur Kaliev également. Deux Young Guns déjà. On a encore plusieurs packs à se rouvrir. On va regarder qu'est-ce qui se cache. On a un autre Young Gun ici. On a Joel Armia des Canadiens. Et on a une Young Gun de Kelfoot. Kelfoot Young Gun. C'est quand même très cool. Kelfoot Young Gun. Bon jeune. On l'avait pogné tantôt sa base dans CHL. Et là, on a Kelfoot Young Gun maintenant avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, une petite Young Gun ici encore une fois. Quand même cool. Trois Young Guns déjà. Puis il nous reste encore... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs. On a passé même pas la moitié des 12 packs. Là, on va être rendu à la moitié avec ce paquet-ci. Puis on a déjà 3 Young Guns. C'est vraiment cool. On continue en espérant choper d'autres bons hits. On a Ben Chiarot ici. On a, oh nice, une jersey avec Mathis Key, Vlenikis et Liam Foodie. Donc, très cool. Un autre petit hit ici. Une petite jersey avec Liam Foodie dessus. Et le jeune gardien de but des Blue Jackets de Columbus. Donc, Rookie Material Duals. Quand même cool. C'est vraiment hot aujourd'hui. Quand même, jusqu'à maintenant. On n'a pas eu de gros hits à tout casser. Mais on a quand même plusieurs bonnes petites cartes, plusieurs Young Guns. Jersey, un autographe dans le premier pack. Dans les premiers packs de CHL et tout. Donc, on y va avec le prochain pack. Est-ce qu'on peut choper un autre hit? Je crois ici qu'on a peut-être juste une petite insert. On a deux, en fait. Non, une. Je pensais que c'était une Natural Wildwood, mais je ne sais pas s'il y en a dans ces deux. Donc, un autre Leon Draisaitl ici. Tantôt, on avait eu la rétro. Là, on a la normale des insert. Insert de OPC, la Award Winners. Tantôt, on avait la rétro. Là, c'est la normale, la base. Ouais, avec un autre Young Gun encore. Nice, vraiment. Voilà, un Joel Kiviranta pour commencer. Yuri Patriots rookie, suivi de Ty Smith. Nice, Ty Smith. Oh, jeune loup en plus! Oh yes! Jeune loup de Ty Smith. Oh yes, oh yeah. Il a été quand même très très bon, Ty Smith, cette année. Avec les Devils du New Jersey. Il a connu un bon début de saison et tout. Un très très bon jeune quand même. Ty Smith. Oh yes, jeune loup. Donc, jeune loup, j'avais même pas marqué au début. Les autres, c'était vraiment tous des Young Guns, j'avais vérifié. Celui-là, j'avais pas marqué. Puis là, c'est une jeune loup qu'on a ici. Donc, de Ty Smith, très bon hit ici. Très content de mon ouverture d'aujourd'hui. Il nous reste encore 4 packs à rouvrir. Ce n'est pas fini, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Donc, on a une petite Sidney Crosby. On a un autre Young Gun. Ben voyons donc. Maxime
Litvinov. Donc, pas un gros nom ici, mais on a quand même un autre Young Gun, encore une fois. Vraiment, vraiment content de l'ouverture d'aujourd'hui. Je regrette pas d'avoir ouvert ces packs-là, d'avoir acheté ces packs-là pour faire l'ouverture avec vous en plus aujourd'hui. Vraiment le meilleur hit jusqu'à maintenant, je crois que c'est la jeune loup. On a l'autographe également, on a des on a une jersey, beaucoup, beaucoup de Young Gun. Il nous reste encore 3 packs à ouvrir. Qui sait, peut-être qu'on aura un autre Young Gun dans nos paquets ou un autre hit. On va regarder ça ensemble, qu'est-ce qui se cache dans le prochain pack. On a une Kirill Ustimenko, Marquee Rookie. Donc, une petite checklist ici. Ok, deux derniers packs. Vraiment content de l'ouverture d'aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait. On va avec le prochain pack. Petite checklist encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Mike Hoffman, Yuli Canva. Ça a été trop, trop beau d'avoir une Young Gun. Ah, Jesperi Kotkaniemi. Ça a été trop beau d'avoir une Young Gun Canva. Mais bon, c'est vraiment cool, la jeune loup, toutes les Young Guns qu'on a eues. Et on y va avec le dernier pack maintenant. Qu'est-ce qui se cache dans notre dernier paquet? Ici, on a une Yuli Portrait de Michael McNevin. Donc, on finit en beauté avec une carte des Canadiens de Montréal. Donc, quand même très content. Très, très content de l'ouverture d'aujourd'hui. Belle petite McNevin pour terminer. Petite McNevin pour terminer. Je récapitule les petits hits. Donc, les hits. Pas juste des petits hits. Je récapitule les hits au complet. Denis Cholowski. Star Rookie. Arthur Kaliev qui devrait être très bon. Jared Anderson, Dolan, autographe. Vraiment, ça fait plaisir. Et on a eu pas moins d'une Young Gun. On a eu une jeune loup. Une jersey. Un autre Young Gun. Donc, on a eu 4 Young Guns en 12 paquets plus une jeune loup ainsi qu'une jersey, dual jersey dans nos 12 paquets de Upper Deck d'aujourd'hui, de Upper Deck Série 2 au bipack. Donc, très content. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, à commenter la vidéo si ça vous tente. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ouverture ou des vidéos MLD. Merci, au revoir. À bientôt pour une prochaine vidéo.